Hello, c'est Zil pour RPG Day 2024, jour 2. Alors, le sujet, c'est jeu de rôle le plus récemment joué. Alors, pour moi, il s'agit de Aetherion. J'ai joué sur la chaîne de Geek Fabula, c'était mercredi soir, et j'ai adoré. Mon personnage, c'est une guerrière, une bourrine, la maîtresse de l'arène de la ville. Elle se bat super bien, et c'est un univers avec beaucoup d'alchimie. Il faut chercher un petit peu les composants magiques, tout ça, j'ai vraiment bien aimé. J'ai joué donc ce personnage-là et j'étais en compagnie de Valentin qui lui jouait Archibald, donc un alchimiste. On avait aussi Gobelin qui jouait un peu le gamin des rues, Roublard. Et on avait aussi Aeterna qui elle jouait un personnage assez mystérieux. Donc j'ai pas encore compris toutes les subtilités. C'est beaucoup de choses, elle s'est un petit peu manipulée. J'aime beaucoup ce genre de personnage très fin dans les dialogues. Et notre MJ était Diab, que j'ai adoré. C'était sa première fois d'ailleurs qu'elle masterisait en live et elle a assuré. Donc franchement, soutenez-la dans les commentaires YouTube. La rediff, elle sera sur la chaîne de Geek Fabula, donc de Valentin. Et j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Et la suite, ça sera la semaine prochaine, donc mercredi. J'ai hâte de continuer l'aventure avec eux et de découvrir les mystères de cette intrigue. Donc je suis très contente d'avoir découvert l'univers. Les jeux de dés, ça se passe avec des D10. C'est le nombre de D10 qu'on a dans la compétence et la difficulté, c'est l'attribut. C'est-à-dire que si par exemple moi j'ai 8 en force, ce qui est énorme pour mon personnage, et 3 en bagarre, bah, je vais lancer 3 dés et tout ce qui est de 1 à 8 va faire des succès. Donc c'est très très facile de s'adapter dans l'univers. Les 1 relancent. J'ai pas encore découvert toutes les subtilités du système, mais franchement, ça, c'est super. Je fais cette vidéo juste après la partie. J'espère que, en tout cas, vous êtes bien amusés dans le chat. Moi, j'ai adoré. On a des personnages qui sont quand même super sombres. Ça faisait très longtemps que j'avais pas joué un personnage comme ça dans la violence, mais vraiment l'état brut, pas la violence, ce que je vais appeler justifiée pour se protéger, se défendre ou protéger quelqu'un d'autre. Là, c'est des fois un peu gratuit et j'avoue que ça. C'est un terrain qu'on n'a pas l'habitude souvent de faire, surtout en stream, et c'est très agréable d'être avec un groupe de confiance sur lequel on peut aller vraiment à fond dans notre personnage très sombre. Donc super groupe, super partie, moi j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours sur YouTube et même en direct. Sachant qu'on sera tous Geek Fabula, moi aussi on sera tous à Octogone, donc n'hésitez pas à nous reparler de cette partie si vous nous voyez pour nous dire en direct ce que vous en avez pensé et dans les commentaires évidemment. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain. Ciao tout le monde, bye bye!